Nouveau rebondissement pour Cynthia, Rebecca Bonamour et Jérémy, Pierre Hurel, dans Ici tout commence sur TF1. Après avoir révélé à Hortense, Catherine David Sanka et Elliot, Nicolas Ensalmo, les problèmes du jeune homme, les camarades de classe sont mis au courant. Les railleurs refusent et Jérémy règle ses comptes avec sa petite amie. Pour lui, Cynthia est allée trop loin en se confiant à Hortense qui n'est pas digne de confiance. Une dispute éclate alors que la jeune fille a les larmes au bord des yeux. Tout le monde est au courant de son problème et Jérémy ne le supporte tout simplement pas. Les deux élèves ne sont pas au courant des tractations des Augustes, Francis Hurster. Alors que Cynthia annonce refuser l'offre du directeur de l'établissement, Auguste la met en garde. Elle n'aura pas une seconde fois l'opportunité d'être parrainée. Mais la jeune fille avoue aimer Jérémy et refuse de la quitter. La situation se complique pour Auguste qui décide de sortir son plan B. Il demande la complicité de Claire, Catherine Markle, afin d'ôter la place de Cynthia à l'institut. Il promet de la replacer dans un endroit où elle poursuivra ses études. Claire refuse de cautionner cet acte et Auguste lui demande d'y réfléchir encore. Le sort de Cynthia est en tous les cas scellé. De son côté, Sloan, Aurélie Pons, prend une décision radicale. Alors qu'elle avait décidé d'avorter, elle prend finalement une décision diamétralement opposée. Elle est échographie chez elle obstétricienne elle à bouleversée. Elle annonce à Maxime, Clément Romain, qu'elle va garder le bébé. Elle veut cet enfant. Elle veut se concentrer sur son bébé, mais la question de quitter Louis, Fabian Wolfram, est toujours des actualités. Elle y dit de se séparer de lui pour se mettre avec Maxime elle et Fred, mais il la rassure. Claire le raisonnera en cas de problème selon lui. Maxime lui explique ensuite que ce serait une chose terrible pour le bébé si les parents se déchiraient. Elle lui donne raison. La rupture semble donc...